Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis au bord du lac de Rabodan, c'est magnifique, avec les oiseaux qui chantent, c'est splendide. Alors je voudrais, pour cette petite minute spirituelle ce soir, vous parler de la vocation de prêtre. Hier c'était le dimanche du bon pasteur, et toute la semaine je vais essayer de vous mettre en valeur la beauté, la grandeur de ce ministère de prêtre que j'ai la grâce de vivre. C'est un appel, c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. On ne choisit pas d'être prêtre, on est appelé. Je me souviens un jour d'un monsieur très gentil au demeurant qui était venu sonner au presbytère et puis m'avait dit « Bonjour, je me pose la question de devenir prêtre parce que ça fait longtemps que je suis au chômage. J'ai appris que vous manquez de vocation, alors je me suis dit peut-être que ça pourrait faire l'affaire. » Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça va se passer. D'ailleurs, ce monsieur, finalement, n'a pas du tout pris ce chemin-là. Mais c'est un appel que l'on entend du Seigneur. Je vous donne deux petits signes de cet appel que l'on entend. Le premier, c'est quand un jeune ou un jeune enfant a un grand désir de prier. Derrière ce désir de prier se manifeste finalement un grand amour de Dieu et en particulier de Jésus-Christ. Alors n'hésitez pas à favoriser pour les jeunes que vous connaissez des beaux lieux de prière, à ce qu'ils puissent découvrir vraiment la beauté de la prière. Et puis le deuxième petit signe, très important, c'est un amour de l'Église. Pour y avoir un jeune qui reste toujours enfermé, qui a peur des autres, etc. Eh bien un deuxième signe qui va être très important, c'est le fait d'aimer se mettre au service de l'Église, d'aimer l'Église. Par exemple, être fou de joie quand on fait partie d'une belle paroisse, quand on fait partie d'une belle communauté, d'un beau mouvement, et que cela nous épanouit chaque fois qu'on y va. Deux signes qui peuvent être de bons fondements à une vocation sacerdotale. Le deuxième, eh bien, c'est un appel pour vous, en particulier parents qui avez des enfants, à favoriser la participation de vos enfants à des activités d'église, dans un mouvement de jeunes par exemple. Alors priez tout au cours de cette semaine pour que les jeunes puissent découvrir la beauté, la grâce de la prière, et puissent aussi, et à travers là, grandir dans l'amour de Jésus, et puis découvrir aussi la beauté et la grandeur de l'Église. À bientôt.